Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. On continue aujourd'hui la deuxième partie du conseil de classe, toujours à mes côtés, Marco, Théo et Adri. Et on va continuer avec un autre joueur qui est 11e et ce sera le 3e à avoir la note de 14 sur 20. C'est le Belge Alexis Salmakers, Marco. Alors Salmakers, c'est 30 matchs, 20 titularisations et 4 buts et 2 passes décisives. Ce n'est pas des stats faramineuses, mais pour autant, j'adore ce joueur. Honnêtement, je pense que c'est un des joueurs en qui je n'avais pas beaucoup d'espoir. Quand il est arrivé, il venait d'Anderlecht. C'est une surprise. C'était vraiment une surprise. On ne savait pas vraiment qui il était, d'où il venait. Et pourtant, c'est un joueur qui, je pense, a une place énorme et prépondérante actuellement dans notre système de jeu. Comme on le voit, il est deux fois moins décisif que Castillejo, mais sur le terrain, il est bien meilleur en réalité. Ouais. Il se donne à fond, il effectue des replis défensifs cruciaux. Son duo avec Calabria contribue à une radicale amélioration du côté droit. Ouais. Ça permet à Calabria de monter, etc. Ses efforts sont cruciaux réellement. Et j'ai pas beaucoup de choses à lui reprocher, à vrai dire. Pour moi, s'il continue sur cette lancée, il est notre avenir sur l'aile droite. Il s'est beaucoup amélioré par rapport à ses tout débuts. Surtout dans sa capacité à éliminer l'adversaire, il a un peu plus, voilà, il a trouvé la fougue que je reprochais à Hodge tout à l'heure. Et pour moi, voilà, c'est un joueur qui, franchement, au-delà de sa très bonne mentalité, peut franchement beaucoup nous apporter. On l'a vu par moment, il manque peut-être de lucidité. Après, comme tu l'as très justement souligné, Marco, et je vais te renvoyer là-dessus, Adri, il tire vraiment Calabria vers le haut et Calabria le tire vers le haut. C'est vraiment deux joueurs qui se rendent meilleurs quand ils sont alignés tous les deux sur le côté droit. Ils sont en plus très complémentaires, je trouve. C'est vrai que quand Calabria, ça arrive plusieurs fois dans les matchs, parfois dans les matchs, ils peuvent se faire dépasser. Et c'est vrai que tout de suite, Salmakers vient justement pallier parfois ce manque sur le côté droite. Et même défensivement, il fait de bonnes interventions, je trouve. Et inversement, quand Salmakers est trop bas, c'est Calabria qui monte et vice-versa. C'est vrai qu'on a un duo intéressant pour le coup sur le côté droite. C'est vrai que Salmakers, au début, quand on l'a vu arriver, voilà, on pouvait s'attendre à. Voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, justement. Donc, on est très surpris. Et c'est vrai que ouais, les Calabria Salmakers sur le côté droit, toi, on tient une bonne petite doublette sur ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est deux joueurs, a priori, sur le papier, qui sont moyens, mais à deux, deviennent deux bons joueurs par leur complémentarité. Très bien. On rentre à présent, messieurs, dans le top 10. Et justement, on arrive à Davide Calabria Marco, 13,3 de moyenne, juste au-dessus. Alors, vraiment. Il a vraiment passé un cap en 2020, l'ami Calabria. Totalement. 32 matchs, 27 titularisations, 2 buts, invaincu, surtout sur cette année. Pour moi, il réalise une superbe année à l'image de l'équipe. Son duo avec Salmakers, c'est, comme l'a dit Adrien, extrêmement complémentaire. Le Belge lui permet de faire ses percées vers l'avant. Il se projette plus qu'auparavant. Il défend mieux. Le seul bémol pour moi reste ses centres. Il y a encore beaucoup trop de déchets sur ce secteur-là. Et s'il arrive à peaufiner cela, il sera réellement un défenseur droit très complet. À noter que pour moi, dans le système de Pioli, on a souvent une faille de son côté. C'est-à-dire que malgré les efforts de Salmakers impressionnants, on a souvent Calabria qui est face à une infériorité numérique de son côté. Il a toujours deux attaquants qui foncent vers lui. Il est obligé de faire un choix et souvent, il est mis en difficulté à cause de ça. De l'autre côté, on a Théo qui peut monter tranquillement car Kessié prend systématiquement la couverture. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Et il y a surtout un coup d'épaule qui se sort du stade. Tu viens de l'expliquer justement pour moi, Marco. Tu viens de répondre à ta propre question. C'est que pourquoi ça balance du côté droit? C'est tout simplement parce que Théo est vraiment positionné comme un milieu de terrain gauche. Et du coup, Kessié est troisième défenseur et couvre sans arrêt Théo. Or, quand Calabria, qui essaye un peu de monter et d'apporter aussi du danger dans la surface de réparation adverse, derrière Bennacer, et je ne mets pas la faute sur Bennacer du tout, parce que ça doit être les ordres de Pioli, mais c'est plutôt Kier en fait qui couvre. Et du coup, lorsqu'il y a un compte qui va vite, eh ben, il n'y a pas de repli défensif forcément comme Kessié de la part de Bennacer. Et du coup, on se retrouve dans une infériorité numérique. Exactement.
Théo, toi, sur Davide Calabria, la stat aussi qui est mortelle pour Calabria, c'est tout simplement le meilleur ratio points par match de l'équipe en 2020 avec 2,53 points. On l'a dit, Marco l'a dit, il est invaincu. Lui, pour le coup, a joué 32 rencontres, mais il ne fait pas partie des trois défaites de l'année face au Genoa, face à l'Inter, le 4-2, je crois que c'est la deuxième, et la dernière face à Lille. Ouais, c'est un joueur qui s'est définitivement détaché de Conti. Il a été longtemps rattaché à ce débat auquel j'ai été le premier à participer. Je le reconnais aisément. Maintenant, voilà, depuis un an et demi, le joueur formé à Milan a pris son envol. Ça fait toujours plaisir de voir un joueur avec les chaussettes basses avoir du style à Milan parce que c'est rare et il faut le souligner. Au-delà de ce petit détail-là, c'est un aspect tactique qui est important dans le 11. Marco parlait de cette capacité de renversement. C'est vrai que du côté de Hernandez, on a tendance à être plus laxiste parce que Hernandez a la même vitesse qu'un TGV en heure de pointe. Donc, c'est plus difficile de lui reprocher ses montées. Voilà. Après, Calabria, Savage-Makers, l'équilibre se crée assez facilement sur le couloir. Très content que le joueur s'installe confortablement sur son trône à droite. Et si jamais Savage-Makers venait à être remplacé par un ailier droit pas de talent, mais peut-être plus offensif, on parlait de Florian Thauvin, etc. J'espère que la complémentarité sera identique parce que on a vu que quand Dalot remplaçait Calabria à droite, c'était pas du tout les mêmes automatismes. Donc on a un circuit préférentiel qui marche à droite. J'espère qu'il ne sera pas perturbé cet été par l'arrivée d'un nouveau joueur sur le couloir droit. Ça fait plaisir, moi, je trouve, d'avoir un joueur formé au club qui réussit à Milan. On avait vu des Coutrone sur des saisons, mais qui ont été vendus, des Locatelli, des De Chirio. Alors là, je ne parle pas de réussite, mais un Calabria, je trouve qu'il ne faut pas en attendre trop. Je pense que vraiment, là, actuellement, il est peut-être au summum de son potentiel. Je ne veux pas en attendre trop de ce joueur. Moi, pour moi, c'est un joueur d'effectif, un joueur qui a vraiment sa place dans le 11, un peu à l'image d'un Ignacio Abate. Un joueur qui vraiment fait le travail sur le côté droit, pas le joueur voilà, avec la plus de hype autour de lui, mais un joueur formé au club qui respecte le maillot du Milan, qui a cet amour du club de comme Abate. Et je suis content de le voir réussir, notre ami Calabria. Donc voilà, il a sa note à 14,3, c'est une belle note et on l'encourage à poursuivre ça. Et plus il est là, moins il y a Conti. Donc voilà. On rentre désormais dans le vif du sujet avec la 9e position et tu vas nous parler de Rafael Leao, Adri, qui a obtenu la note de 14,5. Ouais, alors c'est un joueur qui monte en puissance hein, de plus en plus. 36 matchs joués, 15 en tant que titulaire, 10 buts. C'est le remplaçant le plus utilisé par Pioli avec 21 entrées en jeu quand c'était un 4-2-3-1, donc avec Rebic à gauche et Ibrahimovic en pointe. C'est que là, du coup, avec la blessure d'Ibra, Leao a été mis en pointe. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, rapide, très technique, très agile. On voit que c'est un joueur qui a du potentiel. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est sa nonchalance, peut-être. On l'a encore vu ce soir, très, voire trop nonchalant à certains moments. Et pourtant, il arrive à te faire une dinguerie, comme bah, justement ce soir avec son but. Un peu aidé par le gardien, mais bon, il fallait quand même la mettre. Tu vois que c'est un joueur qui a quelque chose. Il a beaucoup de légendes du club. Hein. Maldini, notamment, font des louanges à son sujet. Barresi aussi, exactement. Ouais. Il sait se montrer important aussi pendant les gros matchs, avec sa passe décisive face à l'Inter ou encore face à Rome cette saison. Donc, non, on a de la chance de l'avoir. Il peut très bien. Alors, il est polyvalent. Hein. Il peut jouer très bien en pointe, à gauche ou à droite. Ce soir, avec l'expulsion de Tonali, il a joué un peu plus à droite, si je ne dis pas de bêtises. Donc, non, sa note de 14,5, elle est justifiée. C'est vrai qu'il a eu, avec son arrivée, elle était un peu compliquée, on va dire. On attendait un peu plus de lui. Et c'est vrai que là, ouais, avec post-Covid, hein, comme beaucoup de joueurs du Milan, il a su montrer un tout autre visage, ce qui n'est pas pour nous à nous déplaire. Marco, tu penses que finalement, quand on parle de mercato hivernal et estival et la recherche d'un numéro 9, tu penses que ce numéro 9 peut être Leao ? Je pense pas, non. Honnêtement, il a réussi à performer à ce poste contre des équipes où il y avait beaucoup d'espace derrière. J'ai peur que lorsqu'on affrontera des équipes où la défense est bien en place, il n'arrive pas à trouver les espaces qu'il cherche. Je pense qu'il nous faut un vrai numéro 9, il nous faut un... plus précisément un pivot, je pense, pour être un peu dans le même style qu'Ibra.
Il est très bon, hein, Léo. Franchement, je. Sa place est plus sur le côté. Voilà, je le préfère sur le côté ou en neuf pour dépanner, mais pas sur le long terme. Et c'est un joueur que j'ai un peu de mal à cerner parce que, comme disait Adrien, au début, je lui reprochais surtout sa nonchalance. Mais avec le temps, j'ai remarqué que même selon les stats, il courait énormément, en fin de compte. Quant à Lazio, par exemple, c'est le deuxième joueur à avoir le plus couru. Mais en fait, c'est même son attitude corporelle qui dérange un peu. On a l'impression que ah, sur c'est le terrain, voilà, frustrant. Il a une attitude de nonchalant, même s'il ne l'est pas. Et voilà, il a ses regards un peu, des fois, comme s'il était blasé. Et c'est vrai que ça a le don de nous énerver, alors que pourtant, il a un talent monstrueux. Honnêtement, on a rarement vu ça. Mais bon, voilà, c'est un joueur que j'espère que Ibra, surtout, parce que Ibra a un vrai rôle de maître avec lui. J'espère qu'Ibra va réussir à exploiter son talent au maximum. Un autre joueur qui est huitième et qui est juste devant Léo, c'est son ami Ante Rebic, auteur d'une saison incroyable. Hein. Moi, je l'ai trouvé incroyable, surtout sur le restart. Décisif toutes les 113 minutes, l'ami Rebic. C'est en 2020, hein, 113, toutes les 113 minutes décisif. C'est 13 buts et 8 passes D en 36 matchs. Voilà. Un gros apport. On l'a vu un peu plus en difficulté quand il a fallu remplacer Zlatan Ibrahimovic. Je l'avais expliqué, moi, avec le système de Pioli qui n'était pas adaptable en fait, à ce type de numéro 9. Et donc, du coup, c'était plutôt à Rebic de s'adapter à un jeu calqué sur un Ibrahimovic, mais sans Ibrahimovic. Donc, c'est pour ça que c'était plus difficile. Mais quand on le voit sur le côté gauche, et ben, en fait, il nous rend service. Alors, quelqu'un qui l'a dit très justement, je crois que c'est Guillaume qui est chez nous, qui a dit qu'en fait, Rebic, on a ce sentiment qu'à chaque match, il loupe énormément de choses, limite à passer à côté de son match. Et en fait, sur le papier, il obtient un penalty aujourd'hui, il obtient une passe décisive. Et c'est un peu ça, en fait, l'histoire de Rebic avec le Milan. C'est quelqu'un qui fournit énormément d'efforts, du coup, qui fait beaucoup, voilà, qui s'en mêle souvent les pinceaux, qui n'a pas une conduite de balle phénoménale. Mais derrière, ça tient la route et ça fait vraiment la différence. Et heureusement qu'il était là en 2020 et sur le restart parce qu'il a enchaîné 5 matchs, je crois, en Serie A en marquant un but. Enfin, il était impressionnant. Adri, tu as été impressionné, toi, par Ante Rebic? Oui, clairement, clairement, clairement. Après, comme beaucoup de joueurs au début, il a eu du mal, hein, à s'imposer. Ça lui a mis du temps. Ouais, il n'a pas joué, surtout. Hein, il n'a pas joué, en fait. Non, bah, il n'a pas joué ses 6 premiers mois. Gianpaolo ne jouait pas du tout. Ouais. Non, non. Ouais. Mais alors là, c'est vrai qu'il était abominable. Il a peut-être un peu plus de mal. Voilà, il revient de sa blessure. Mais c'est vrai que même en faisant des matchs pas terribles, terribles, bah, il est quand même décisif. Même au dernier match, où il y a deux matchs avant, il obtient aussi un pénalty. Il fait aussi une passe décisive. Donc, non, même s'il ne fait pas des matchs incroyables, et bah, il arrive quand même à faire de ses petites stats ou être important sur une ou deux occasions. Après, moi, je suis persuadé quand Ibrahimovic va revenir, je suis persuadé, moi, qu'il va retrouver un tout autre niveau. C'est vrai qu'on les deux arrivaient toujours à combiner. Après, Zlatan, quand il joue en pivot, tu peux pas l'arrêter. Il est tellement physique, forcément, ça mettait des décalages pour le croate. Donc, je ne veux pas de problème pour lui. Il passe peut-être une petite passe un peu plus compliquée, mais ça va vite, vite revenir à la normale. Très bien. En septième position, avec une note de 15,2. Nous avons un joueur qui, si les poteaux n'étaient pas carrés, aurait fait la saison de Lionel Messi en 2012 et ses 92 buts. Nous avons le Turc Hakan Çalhanoğlu. Théo, tu vas nous en parler? 42 matchs pour le Turc aujourd'hui. Et tu disais très justement, si il avait joué à l'époque de Saint-Étienne, il aurait peut-être été l'exemple parfait des poteaux maudits. C'est terrible, la malédiction qu'il y a autour de lui. Peut-être qu'il veut trop la mettre dans l'équerre ou qu'il est simplement maudit sur ses frappes, mais des belles choses. C'est une dizaine de poteaux en 2020. C'est une dizaine de poteaux. C'est terrible. Et pourtant, après, voilà, moi, c'est un jour où vraiment, avec le recul, j'ai du mal à me centrer, à analyser quel est son avenir chez nous. Autant en Terebic, quand il est arrivé, tu le disais très justement, il n'a pas joué 6 mois sous Gianpaolo. Il était annoncé de retour en prêt l'hiver dernier du côté de l'Eintracht. Enfin, tout était prédestiné pour que ce soit un transfert catastrophique. Hakan, c'est un joueur qui a été titulaire dès son arrivée du Bayer Leverkusen. Pas forcément à raison, parce que sur le couloir gauche, que ce soit sous Montella ou Gattuso, il avait le totem d'immunité. Et c'était insupportable à mes yeux de le voir au coup d'envoi, parce qu'on savait déjà ce qu'il allait faire. C'était trop stéréotypé.
Maintenant, voilà, le 4-2-3-1 a redistribué les cartes. C'est un numéro 10 complet. On n'en doutait pas, mais on n'avait pas eu l'occasion de le voir. Notamment parce que Gianpaolo préférait Borini ou Souzourandis, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, content de ce que Hakan nous propose cette saison. Maintenant, son contrat se termine dans 6 mois. Il n'a toujours pas prolongé. On l'a vu se balader à la Juve quand il y avait le confinement, ce qui n'avait pas forcément plu à la direction. Donc voilà, savoir s'il va prolonger, s'il va signer ailleurs. Moi, avec le recul, je suis, je l'avais déjà dit sur des précédentes émissions, partisan de son départ, parce que si depuis un an et demi il nous apporte satisfaction à son poste de numéro 10, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas capable de jouer à d'autres postes. Il est peut-être capable de jouer couloir gauche dans ce 4-2-3-1, mais clairement poste d'ailier, ce n'est pas ça. Le retour du 4-3-3 n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas une raison pour oublier l'apport de joueur qui certes est décisif avec nous depuis un an et demi. Mais voilà, si je devais résumer son aventure milanaise, je ne pense pas que je le prolongerai et j'essayerai même d'en obtenir un bon prix dès cet hiver. Bah avec le bon prix, tu pourrais l'obtenir si jamais il prolongeait chez nous. Il a 15 buts et 16 passes décisives du coup cette saison. Cette année 2020. Moi, je trouve que c'est un profil qui est devenu irremplaçable à Milan. Je vois pas qui sur le marché au poste de milieu offensif peut faire l'abattage défensif qu'il fait, parce qu'il revient très bas, il fait les efforts défensifs dans le système de Pioli. Offensivement, bah on le voit avec ses stats, c'est juste impressionnant. C'est le joueur le plus décisif de l'année. Il est décisif dans 3 matchs sur 4, c'est simple. C'est, voilà, c'est grandiose. Ah, c'est vrai, c'est voilà. Et je pense vraiment que on sous-estime en fait son apport, parce que je pense que si jamais il est amené à partir, et bah, ça va être très difficile de trouver un milieu offensif qui pourra le remplacer vraiment dans la tactique qu'a mis en place Pioli autour de lui. Parce que là, on parle souvent que la tactique de Pioli est faite en sorte que Zlatan soit mis dans les meilleures dispositions. Mais elle a été Oui, mais elle a été aussi… On gagne sans Zlatan, donc… Ouais, voilà. Non, mais tu vois, parce que oui, mais c'est la vie générale, c'est ça. C'est Pioli met un minimum d'efforts sur Zlatan. C'est vraiment le jeu orienté vers le jeu aérien de Zlatan Ibrahimovic. Mais c'est surtout que ce 4-2-3-1, et c'est ce qui a été façonné par Pioli pendant la trêve entre mars et mai, c'est cette idée de double pivot qui a mis Kessié dans les meilleures dispositions, mais c'est surtout ce rôle de Hakan qui a fini de faire la vadrouille à gauche, à droite, et qui est vraiment un milieu offensif centre fixe, mais avec un pressing et un retour défensif important. Donc voilà, je trouve que limite 7e, c'est peut-être un peu dur, mais après, quand on voit les joueurs qu'il y a devant lui, on va passer tout de suite au numéro 6, c'est Gianluigi Donnarumma, 6e avec une note de 16,7, et là on est largement au-dessus des précédents. Là on vient dans le gratin, là on est dans le gratin. Adri, parle-nous de Gianluigi Donnarumma. Alors Donnarumma, c'est 43 matchs joués, 13 matchs où il a fait une invincibilité, 28 victoires, 13 nuls, mais surtout deux petites défaites cette année, 30% de clean sheet, pardon, c'est important de le souligner aussi. C'est un joueur ô combien important, on l'a tous vu et on le sait tous. Il nous banalise les arrêts à tous les matchs, des arrêts incroyables comme face à la Lazio il y a quelques matchs, face à Benevento encore ce soir. Il nous sort des parades en veux-tu en voilà qui nous sortent un peu d'ailleurs. On pouvait avant lui reprocher parfois ces petites boulettes de temps en temps. Il arrivait à sortir un gros match, mais tu avais toujours cette petite boulette qui venait tacher sa feuille. Pareil au niveau du jeu au pied, au niveau des relances. Et justement, par rapport à ça, je trouve qu'il a encore progressé, moi, cette année, que ce soit au niveau des relances. Il fait très, très peu d'erreurs, je trouve, maintenant, dans la surface. Ses mains sont plus fermes, choses comme ça, par exemple. De plus en plus rassurant, du coup, hein, forcément, ça va avec. Et je trouve que de plus en plus aussi sur le terrain, alors sur le vestiaire, dans le vestiaire, pardon, je ne sais pas, mais sur le terrain, je trouve que c'est vraiment un leader. Plusieurs fois, on le voit donner de la voix à ses cages sur les corners, en train de féliciter soit un coéquipier ou soit essayer de replacer un ou deux joueurs. Donc voilà, c'est un très bon capitaine. Un très bon capitaine en l'absence de Romagnoli, et il a vraiment assumé le statut. Et je trouve vraiment qu'il prend encore une autre dimension. Et je me demande, moi, où est-ce qu'il va s'arrêter? Parce qu'en fait, à chaque saison, il est complètement fou. Il est complètement fou, ce gardien. Donc, j'espère vraiment qu'on va le prolonger. Normalement, ça devrait le faire. Lui, il veut rester à Milan. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Marotta qui a appelé Donnarumma personnellement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
pour qu'il vienne à l'Inter. Ouais, ouais, il a refusé. S'il fait ça, c'est horrible. Hein. Non, non, mais il ne le fera pas. Ah, oui. il a refusé. Mais... Il a même pas répondu, je crois. Imaginez-vous deux secondes. L'année prochaine, Donnarumma sous le maillot de l'Inter. Ah, mais il ne met plus un pas à Milan. Je pense qu'il faut qu'il change de ville. Je pense qu'il faut même qu'il vive à Bergame, quitte à jouer à l'Inter. Mais je pense qu'il faut qu'il change de ville parce que ça risque de ne pas plaire aux tifosi. Ah, moi, ça me terrifierait. Non, t'inquiète. Voilà, bon, eh ben, on va rentrer à présent dans le top 5, les amis. Et en cinquième position, nous avons Isma ou Bena. On entend les deux surnoms sur le terrain. Ismaël Benacer obtient la note de 16,8, les gars. C'est tout simplement, et devant Donnarumma, la stat est folle, le joueur ayant réalisé le plus de clean sheets cette année, avec 14 clean sheets, une de plus que Donnarumma, parce qu'il a dû faire un match avec Tatarusanu ou Pepe Reina dans la cage, je ne sais plus c'est lequel. En tout cas, voilà, Benacer, impressionnant cette année. Alors lui, c'est une éclosion, parce que quand on l'achète à Empoli, après notamment la CAN qui est magnifique avec l'Algérie, on est loin de se douter du niveau de joueur. On a de son talent, de son potentiel, mais le niveau qu'il a affiché en 2020 avec le Milan est pharaonique, Théo. C'est un joueur qui était un peu en delà de ses performances sur les 6 premiers mois. Il a rapidement montré que c'était finalement un excellent milieu de terrain. Je vois parfois les critiques revenir sur le fait qu'il ne joue que au Milan AC. C'est un joueur qui a un profil tellement important et qui est jeune, qui a connu Empoli, qui est passé par l'Avignon en France, qui a joué à Arsenal du côté de Troyes. Enfin, c'est un joueur qui n'est pas arrivé tout de suite dans une grande équipe et c'est un joueur qui a eu des expériences avant qui l'ont fait grandir. Et il explose véritablement à Milan. C'est fou ce qu'il nous propose, que ça soit sur l'apport offensif ou défensif. C'est vraiment un milieu qui est complet. Voilà, maintenant un peu trop de cartons jaunes pris parfois d'une manière assez évitable. Mais voilà, c'est toujours un peu décevant cette gestion de Pioli parce que, à l'image de Kier, Gabia ou Zlatan, il s'est blessé d'une manière largement évitable. Et c'était quelque chose dont on parlait dans les premières émissions. La gestion de l'effectif, toutes les blessures sont musculaires. Bien sûr, c'est la plus petite blessure possible parce qu'il n'y a pas de fracture ou il n'y a pas les ligaments croisés. Mais c'est voilà, des blessures d'usure pour les trois quarts parce que quand on enchaîne des matchs tous les trois jours et qui plus est avec une telle intensité physique et un tel volume de jeu pour Ismaël Benacer, des fois ça tire un peu trop. Et voilà, il a pris un peu plus d'un mois d'arrêt. On espère qu'on va bientôt le revoir. Mais dans son année 2020, et pour l'instant la plus marquante dans sa jeune carrière, c'est indéniable. Ouais, mais complémentarité exceptionnelle, ça on peut louer le travail de Pioli, mais avec Kessier, c'est vraiment un double pivot extraordinaire, Marco. Bah franchement, je pense que voilà, lui et Kessier, c'est le moteur de ce Milan AC. Franchement, il m'impressionne. Il y a très peu de critiques à lui faire, à part le fait voilà, qu'il prend énormément de jaunes, mais mis à part ça, c'est quand même... C'est impressionnant. Il a un rôle prépondérant dans notre club. Et franchement, je suis même inquiet pour son avenir chez nous. J'ai peur que de gros clubs se positionnent sur lui en fin d'année. C'est un joueur qu'on peut aisément s'imaginer dans d'autres clubs et dans d'autres styles de jeu. Et franchement, j'ai peur qu'une grosse écurie vienne avec un beau chéquier et qu'on doive le vendre. Alors après, moi, je suis peut-être un peu naïf, mais moi, je pense que tant qu'il y a Ibrahimovic, les joueurs cadres resteront parce que quand tu as une pression, déjà, ils respectent tous le maillot. Je pense que vraiment, il y a ça cette année qui a été retrouvé, c'est l'amour du maillot, le respect pour le club. Et je pense que maintenant, avec un Maldini et un Ibrahimovic dans les couloirs, tu quittes pas le Milan AC aussi facilement que ces deux, trois dernières années. Donc, je pense vraiment que les joueurs, dont Hakan notamment, dont Donnarumma, dont Benacer, qui sont des joueurs qui ont vraiment une belle cote à l'étranger, respectent ce maillot, respectent ce club. Et tant qu'il y aura Ibra, tant que le club sera au plus haut niveau, parce que là, pour le coup, on est premier du championnat, on est en très bonne voie de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, je pense pas. Après, il y a cette clause autour de Benacer qui est juste de 50 millions qui peut être pétée. Mais comme j'espère, en tout cas, péter une clause, c'est quelque chose. Si le joueur n'a pas envie de partir, je pense que tu ne peux pas forcer un joueur à quitter son club malgré le fait de sauter la clause. Il faut quand même l'accord du joueur.
Donc, enfin, on n'est pas en NBA, donc je crois que c'est ça. Mais moi, je pense, je suis assez optimiste là-dessus sur le fait que Bennacer restera au Milan la saison prochaine. En quatrième position, Adri, nous avons Franck-Yannick Caissier, 17,3 sur 20. Sacrée moyenne aussi pour le tank. Lui aussi, un rôle prépondérant. 7 buts, 4 passes décisives, 13 clean sheets, une de moins que Bennacer. Mais voilà, c'est lui aussi, quand on a vu la métamorphose d'Akan, lui aussi s'est métamorphosé en 2020. Pas tout simplement parce que voilà, maintenant il joue enfin son vrai poste dans le double pivot justement avec Bennacer. C'est un joueur là aussi ô combien important dans le 11 titulaire de Pioli. C'est monsieur 3 poumons, il fait toujours des kilomètres et des kilomètres par match. C'est ouais, un joueur très très important. C'est vrai que même dans les toutes fins de match, comme des Théo Hernandez par exemple, il va réussir à te faire des petites altérations ou à te faire des choses qui vont faire que tu vas apporter quelque chose de plus offensivement. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Caissier, là où je trouve qu'il a encore progressé cette saison, c'est justement à faire des sortes de longs ballons devant pour vraiment projeter encore plus l'attaque. Donc non, moi, c'est Caissier, je suis agréablement surpris. J'étais là vraiment des premiers à lui cracher dessus quand il faisait des mauvais matchs avec ce fameux 4-3-3. Donc non, vraiment, je lui tire mon chapeau parce que vraiment, il nous sort vraiment des gros, gros matchs. Et c'est un joueur ouais, très, très important ouais, dans l'effectif. De toute façon, on ne va pas revenir trop longtemps sur ce joueur. On en parle suffisamment dans nos tops chaque semaine. C'est impressionnant ce qu'il a fait avec le Milan cette saison. Il avait été élu pendant la trêve entre les deux saisons dans l'émission avec Philippe Genin, meilleure progression de l'année. Voilà. Et il porte vraiment le milieu de terrain et on sent que vraiment c'est un joueur qui est indiscutable à l'AC Milan. En troisième position, maintenant, on rentre sur le podium. Nous avons un joueur qui on n'aurait pas misé un paquet de clopes à 10 euros en début d'année. C'est le Danois Simon Kjær avec une moyenne de 17,6 sur 20. Tu veux nous en parler, Marco ? Bah oui, Simon Kjær, c'est un joueur... on savait qu'il était bon, mais alors de ce niveau-là, franchement, c'est... Je pense qu'on a un des défenseurs... voire même le défenseur meilleur actuellement en Serie A. Il a un rôle, mais énorme dans cette charnière défensive. Il se donne, il se sacrifie tout le temps. Le nombre de fois on l'a vu prendre des ballons partout sur le corps et sans s'effondrer, s'effondrer seulement deux minutes après quand l'action était finie. Enfin, c'est un joueur qui vraiment, voilà, c'est sacrifice. Il est impressionnant. Il arrive en plus, je trouve qu'il a une super complémentarité avec Romagnoli. Quand les deux arrivent à être ensemble en même temps, et qu'on n'a pas un blessé ou une indisponibilité pour Covid, quand les deux sont ensemble en même temps, je trouve qu'on a vraiment une super complémentarité, une super charnière. Et voilà, de la tête, Simon, il est impressionnant. Il lui manque son petit but. Ouais. J'attends son but avec impatience parce qu'à chaque fois, ça loupe de pas grand-chose. Mais franchement, c'est voilà, la grosse acquisition pour moi qu'on a fait ces dernières années. Théo, c'est monsieur propre sur le terrain, Simon Kjær. Il est parfait, il en loupe pas une. C'est un joueur à la carrière si riche en soi, quand on regarde un peu. Ouais. Moi, je me souviens pas personnellement de ses cheveux longs à la Roma avec son bandeau ou à Lille. C'est un joueur qui est passé par Wolfsburg, qui a connu Palerme, où il jouait avec Paolo Seto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Argentin qui est passé du côté de Toulouse. C'est un joueur qu'on a connu sur plein d'aspects, plein de facettes, qui s'était embrouillé avec Zlatan quand il était du côté du Fenerbahçe. Et de le voir atterrir à Milan, ça me semblait pas le transfert de l'année. Hein. Un transfert comme un autre, géré un peu à l'arrache en plein hiver pour solutionner quelques problèmes et s'en aller 6 mois après. Juste après une déroute 5-0 en plus face à l'Atalanta, le club où il était. Qui m'a fait clairement hésiter et m'a donné envie d'aller élever des tortues alligators en Californie. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Milan a très bien fait d'avoir ce joueur. C'est quelqu'un qui est très solide, qui est très serein. On a eu besoin de défenseurs comme ça avec de l'expérience, du calme, de la sérénité. Et puis, il gère aussi très bien ce statut de meilleur défenseur de Romagnoli. Que Romagnoli, pardon, parce que voilà, on en parlait avant, Romagnoli est passé par des phases très sombres avec des défenseurs dont on aimerait bien se retirer le nom de la mémoire. Et maintenant, Kjær est plus fort que le capitaine actuel. Et ce n'est pas pour autant qu'il surjoue de ce statut. Il est très noble dans sa manière de jouer, très sobre, très efficace. Et voilà, même si on a senti qu'il était un petit peu limité sur son retour aujourd'hui
face à Benevento. Je lui accorde tout le calme et le temps dont il a besoin pour revenir parce qu'on a besoin de notre rock danois pour ces 6 derniers mois. Très bien. On arrive sur la deuxième place du podium et nous avons Théo Hernandez avec une magnifique note de 17,8 sur 20. Adri, joueur le plus titularisé cette année par Pioli avec 43 titularisations, 7 buts, 7 passes décisives et un ratio et 13 invincibilités. Voilà, 13 clean sheets. Saison incroyable. Et on avait eu ce débat en début d'année sur sa hiérarchie en équipe de France. Là, à la fin, alors on se parle, c'est le meilleur défenseur gauche français actuel. Ah oui, clairement. Après, comme on l'avait dit face à… Je crois que c'était avec contre la Lazio. C'est vrai qu'il y a Digne aussi qui est bon sur ce côté gauche. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, il a largement sa place. Pour en venir avec Milan, quel joueur on a sur le côté gauche. Vraiment, personnellement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un joueur comme ça à Milan sur ce côté gauche. Puissant, rapide, technique, tout ce que vous voulez sur son côté. Un défenseur gauche très prolifique aussi. Il ne faut pas oublier qu'à une période, ça avait été le meilleur buteur de Milan à une certaine période. Ah, la première partie de saison de la saison passée, Exactement. Il fallait mieux parier sur un but de Zlatan que sur un but de Théo Hernandez que sur un but d'un de nos attaquants. C'est un joueur qui donne du plaisir à regarder. Tu sais pertinemment que entre la 80e et la 88e, il va te faire une percée au milieu de terrain qui va amener pour le coup une grosse action ou une faute à la bord de la surface. Donc, une belle note, 17,8, c'est amplement mérité pour lui. Et pour lui, la consécration, ce serait d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France, qui a déjà sa liste en tête. Il l'a dit en conférence de presse il y a quoi, 2-3 ouais. jours, si je ne dis pas de bêtises. Espérons qu'il soit dedans, parce que ce serait amplement mérité pour notre Français. Il ne va pas pouvoir faire la vogue très longtemps, l'ami Didier Deschamps. Malgré que je respecte son travail, mais là, à un moment, il va falloir prendre le frère de Lucas Hernandez, qui est pour l'instant le titulaire à ce poste-là. En tout cas, ça nous laisse du coup, vous l'avez peut-être deviné, qui est le joueur numéro 1 de cette équipe, puisqu'il s'agit c'est de… C'est Tataru Sanou. Attends, tu m'as volé l'idée. Mec, j'étais en train de faire un teaser sur Tataru Sanou. Enfin, vous l'avez vu, il s'affiche à l'écran, c'est Zlatan Ibrahimovic. Je la retiens, tu m'as volé mon moment de gloire que j'avais écrit en plus, Théo. Mais voilà, c'est Zlatan Ibrahimovic avec une note de 18,3 sur 20. Théo, vas-y, vu que tu m'as volé… C'est n'importe quoi, ces stats-là. Vas-y. Je les ai sous les yeux, c'est n'importe quoi. 29 fois décisif en 30 matchs, mais il a 39 ans, le bonhomme, c'est pas normal ça. 22 buts, 7 passes. Toutes les 53 minutes en Serie A, 22 buts en 30 matchs. Alors, c'est n'importe quoi. Il tire les pénaltys, mais il les met pas tous, donc on peut même pas mettre sur le dos le fait qu'il marque uniquement sur pénalty. Les passes décisives, c'est pas censé être son rôle de base. Mais quel joueur! Quel joueur! C'est un régal à analyser et à débriefer après chaque rencontre. Il s'est tellement renouvelé dans sa manière de jouer, renouvelé dans son jeu. À 39 ans, ce n'est pas facile de se trouver une place sur un terrain qui plus est dans le Milan AC. On a moult et moult exemples de joueurs qui passaient les 35 ans, ne survivent soit pas aux ligaments croisés, soit à une place conséquente dans un effectif. Zlatan est l'antithèse de tous ces malheurs qui peuvent arriver à un footballeur en fin de carrière. Et juste merci pour tout ce que tu nous apportes, le bonheur que tu nous apportes. Et voilà, quand on a vu Mattia Destro, Alessandro Martri, Luis Adriano ou Nicolas Kalinic avec un numéro 9 ou un poste offensif devant. Arrêtez-vous là. on reprend un peu foi en l'humanité. Ouais. Donc merci, monsieur Ibrahimovic, pour cette année, en espérant que l'année 2020 sera aussi belle ou encore plus belle que cette année 2020 que tu nous as réservée. Marco, un mot pour résumer l'année de Ibrahimovic, juste un. Dieu. Dieu, très bien. Et Adri Infatigable. Infatigable. Infatigable, Dieu. Merci Ibrahimovic, parce qu'il a été un des joueurs qui a permis, enfin même le joueur qui a permis à Pioli de revenir vers les sommets. Et l'AC Milan qui termine premier à la fin de cette magnifique année 2020. Merci cher professeur pour ce très beau conseil de classe. Et merci chers auditeurs, on espère que l'année 2021 sera aussi belle que cette année 2020. En attendant, Forza Milan, ciao! Ciao! Ciao!